voudrais remercier Ismaël Amini, l'acteur dans mon film. J'ai eu beaucoup de chance. Il m'a beaucoup appris sur comment voir la vie. Et voilà, je suis vraiment ravi de pouvoir lui rapporter ça. Il est dans un village en Iran, donc il ne doit pas trop être au courant en ce moment, mais je lui donnerai ça. Merci beaucoup. En Iran, on a été beaucoup influencé par le cinéma italien. Je dirais que les racines de notre cinéma viennent du cinéma italien. Malheureusement, il y a un metteur en scène qui est décédé il y a 2 ans, qui est très peu méconnu en France et dans le monde, qui est la source de notre cinéma. C'était un metteur en scène qui s'appelait Sohrab Shahid Soles. J'aimerais juste lui dédier ce prix. Je suis vraiment ravi. Merci. Moi, j'ai quitté l'Iran au moment des bombardements, quand la guerre a commencé avec l'Iran. Je suis parti à ce moment-là avec ma mère. Donc j'ai fait mes études en Europe, je suis allé en Angleterre pour les études de cinéma. Et après, je voulais faire mon premier long. Quand on veut faire son premier long, il faut qu'on soit un peu proche de soi-même et comprendre un peu ce qu'on est, plutôt qu'autre chose, parce qu'on ne peut pas être quelqu'un d'autre. Et c'était ça qui m'a fait partir là-bas pour le premier film, pour voir si j'étais iranien ou pas. J'ai vu qu'il y avait un dialogue entre moi et mon pays et que finalement j'avais pas perdu ça. Et le deuxième film, Sanam, c'est un film beaucoup plus personnel, un peu psychanalytique, on peut dire, d'une part, et d'autre part, une peinture politique sur mon pays. Dans le premier, je rends un peu hommage aux femmes iraniennes, donc ma mère. Dans le deuxième, peut-être un peu plus égoïste, j'essaye de me comprendre. J'arrive pas à identifier le cinéma à travers les pays, mais plutôt à travers les cinéastes. Parce que je trouve que chaque cinéaste est différent. Donc je pense que j'aurais fait un autre métier si ce n'était pas le cas. Ce que j'aime beaucoup, c'est d'entendre des gens parler. Le pays d'où ils viennent m'importe peu. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'ils vont me raconter et comment ils vont me le raconter. En ce qui concerne le point de vue politique qu'on a sur mon pays, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a toujours travaillé dans le même système, que ce soit avant la révolution ou aujourd'hui. On a toujours eu des barrières dans lesquelles on a travaillé. Et on peut même dire que notre cinéma s'est fait à cause de ces barrières. En Iran, des fois, on nous reproche à ceux qui sortent leurs films de l'Iran, qui le montrent dans les festivals. On nous dit, vous faites des films pour les pays étrangers. Ce que je leur réponds toujours, c'est mais si on fait des films pour les pays étrangers, expliquez-moi la ressemblance entre ces pays-là, entre ces gens-là, pour pouvoir dire que c'est le cas. J'essaye de faire réfléchir des gens sur mon pays, dans mon pays, et de montrer le film aux deux camps, que ce soit les réformateurs ou pas. Ce qui m'intéresse, c'est que les deux camps le voient, et d'ouvrir un dialogue en faisant le film, plutôt que de fermer le dialogue et prendre parti. Ça, c'est ce qui... Pour moi, c'est très important dans mon pays quand on se parle.